Chers supporters, soyez les bienvenus sur ce plateau de l'UBB Live TV. C'est la cinquième émission, et oui, déjà cinq émissions où l'on s'adapte. On essaye de combler le manque des supporters, des abonnés, des bénévoles, des partenaires au stade Chaban-Delmas. C'est un match crucial aujourd'hui, puisque l'Union Bordeaux-Bègles reçoit le RC Toulon. L'occasion, avant de démarrer cette émission, au nom du club, du président Laurent Marty, de vous souhaiter à vous, les supporters, les abonnés, les bénévoles, les partenaires, une excellente année 2021, qu'elle démarre sous les meilleurs angles possibles avec cette pandémie qui nous touche et qui nous oblige à nous adapter. Alors aujourd'hui, sur ce plateau, deux joueurs nous font l'immense plaisir d'être avec nous. Marco, qui fait son retour dans l'émission, Marco Tolène. Salut Marco. Salut Vincent. Ça va bien? Ça va, merci. Bonne année. Merci, toi aussi. Merci. Deuxième émission pour toi, l'UBB Live TV. Il n'y a plus de pression, là? Non, ça va, c'est plutôt... ça le fait. Alors, face à toi, un nouveau venu dans ce plateau, dans ce vestiaire aménagé en studio télévision, Jules Gimbert. Merci, Jules, d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Et puis, bienvenue. Tu vas voir, ça va bien se passer. On va passer trois quarts d'heure ensemble avant match. On se retrouvera à l'issue de la rencontre pour débriefer de cette affiche face au RC Toulon. On va démarrer, messieurs, avec cette nouvelle année qui démarre, 2021. Alors pour vous, c'est forcément une période un petit peu plus compliquée puisque les fêtes sont toujours mêlées à des rencontres avec le Boxing Days au moment de Noël et cette rencontre aujourd'hui, juste après le réveillon. Comment ça s'est passé pour vous, les fêtes? Vous avez quand même eu le temps de couper? Oui, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, Christophe et son staff nous ont laissé 4 jours, donc ça nous a laissé le temps de profiter un peu des familles. Moi, j'ai fait l'aller-retour jusqu'à chez moi et on est revenu le samedi pour la mise en place et pour préparer le match de Toulouse. C'était très court en termes de préparation, mais c'est bien aussi d'avoir pu souffler un petit peu parce qu'avec les conditions du championnat actuel, c'est pas simple d'avoir des moments de repos, donc ça fait du bien de régénérer un petit peu. J'ai eu la même question sur le réveillon. Forcément, c'est un peu plus soft quand on est joueur professionnel. Ben, on s'adapte. On a eu entraînement le lendemain du 1er de l'an. Donc voilà, on fait un petit repas tranquille et on va au lit assez tôt. Ok, alors on va démarrer cette émission, messieurs, en vous posant la première question sur la résolution de l'année 2021, puisqu'on sait toujours qu'en début d'année, c'est là où on fait nos bonnes résolutions. Votre résolution personnelle, c'est quoi pour toi, Jules? Pour moi, c'est plutôt sur le rugby, c'est d'être champion de France. Très bien, bah, écoute, on te le souhaite. En tout cas, on espère qu'elle sera tenue, parce que nous, ça nous va bien, finalement. Si ça va au bout, ça nous convient. Marco? Moi, j'en ai deux. Allez, vas-y. Que j'avais déjà les dernières, mais c'est... Que t'as pas tenu, du coup ou... Ben, que j'ai pas très bien tenu. Mais j'essaye au mieux, c'est de plus faire achat impulsif et de m'occuper un peu plus de mes chiens. On dirait, ce qui est sympa, c'est qu'on dirait vraiment un petit garçon. C'est-à-dire que là, j'ai pris en main. T'avais fait ta liste au Père Noël aussi ou pas? Non, j'ai pas fait. Mais c'est vrai que c'est l'année dernière, je me suis dit, il me faudrait quand même des objectifs et me dire, voilà, il faut avoir une des vraies résolutions, quoi. Pas me dire, ok, je bois plus ou je fais plus ci, je fais plus ça, je mange moins gras. Et là, j'ai essayé de trouver des trucs que je pouvais tenir et ça, c'est, bon, ça a été un peu compliqué en 2020. J'ai pas tenu trop, mais j'espère pouvoir m'y tenir cette année. Bah écoute, en tout cas, on te le souhaite et puis tu nous tiendras informés dans la saison, on te posera la question. On tâchera de te poser la question savoir si les résolutions sont tenues. Alors messieurs, c'est un match particulier aujourd'hui, le RC Toulon se déplace du côté du stade Chaban-Delmas. Chaban, une nouvelle fois à huis clos. Moi, la résolution que je voulais pour cette année, c'est retrouver du public et être encore meilleur que la saison passée en termes de speaker. Ça pèse là un peu quand même, non, sur les épaules des joueurs de jouer encore un match à huis clos, encore sans public, sans cette ferveur des supporters. Ben, c'est vrai que les matchs à huis clos, c'est un peu compliqué pour nous parce que pour nous, le public est hyper important, notamment dans les moments qui sont durs sur le terrain. Donc, il nous tarde qu'une chose, c'est qu'ils puissent revenir. Oui, c'est ça. Puis avec la saison qui est assez particulière, on n'a pas vraiment de temps de repos finalement. Mmh. Car on joue un match à domicile et qu'on n'a pas nos supporters, on n'a pas cette récompense ou même cette joie de partager ça avec eux. Et finalement, c'est voilà, ben, tu vas t'entraîner, tu joues et c'est reparti et puis rien ne se passe. Ouais, donc c'est ça qui est un peu frustrant. Frustrant, exactement, parce que voilà, on aimerait beaucoup partager nos joies. J'espère nos peines le moins possible, mais c'est aussi ça le lien qu'on avait déjà les saisons précédentes avec nos supporters, et c'est vrai que ça manque beaucoup. Ouais.
Alors les supporters, on le disait, les abonnés, les partenaires et les bénévoles également peuvent participer à cette émission. C'est le principe de cette UBB Live TV. On a une tablette sur notre plateau où les gens vous poseront les questions en direct. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de poser vos questions à Jules ou à Marco, à venir mettre un petit commentaire dans le direct pour que vos questions nous parviennent sur le plateau. On les posera en direct à nos deux joueurs qui sont avec nous pour cet avant-match et pour l'après-match. Alors on le disait, match particulier, la venue du RC Toulon, quatrième de ce top 14. L'UBB en difficulté sur les dernières rencontres. Une défaite la semaine dernière avec un bonus pour le Stade Toulousain. Comment alors en même temps que l'on discute, on aperçoit les joueurs sortir du paddock pour aller s'échauffer. L'état d'esprit là, du groupe par rapport à la rencontre de Toulouse, par rapport à cette saison compliquée liée au Covid, des matchs en retard, une saison coupée l'année dernière avec une première place leader du top 14, tous ces éléments, ça complique cette saison 2020-2021. Ouais, pour nous, l'objectif reste le même. Donc, quoi qu'il arrive, on donnera le maximum pour atteindre cet objectif. Mais c'est vrai que cette défaite à Toulouse, c'est rageant parce qu'on fait plutôt un très bon match dans l'ensemble. Bon, voilà, on perd le bonus à la fin, il le récupère. Mais voilà, on s'est vite remis au travail en début de semaine pour ce match aujourd'hui. Marco, même question, l'analyse de ce début de saison ? C'est voilà, nous on reste dans le groupe motivé, que ce soit les joueurs ou le staff, parce que on sait que la saison est encore longue. C'est sûr qu'on fait pas la même saison que l'année dernière, mais c'était prévisible. On sait très bien que toutes les saisons sont différentes. Donc oui, là on nous attendait peut-être à ce qu'on soit encore premier, mais c'est pas aussi simple. Donc mais je vois quand même que le groupe reste motivé et concerné et concentré sur les échéances qui arrivent. Parce que voilà, on peut parler de la Champions Cup, mais on a gagné quand même un match à l'extérieur qui n'était pas facile. On arrive à gagner avec le bonus ici contre les Dragons, ça nous lance un petit peu. C'est vrai que la défaite contre Toulouse est un peu frustrante la semaine dernière, mais on a encore plein d'autres échéances qui arrivent, et ça commence par celle d'aujourd'hui. Donc, et je pense que tout le monde, ça se voit et ça se ressent dans le vestiaire et a envie d'y aller et de bosser et gagner les matchs, quoi. Contexte donc particulier pour la venue de Toulon aujourd'hui. Alors, on va rappeler à nos supporters, nos abonnés, qu'ils ont la possibilité de retrouver toutes les infos du match sur le mag digitalisé, puisqu'on a mis en place cette année un mag de l'UBB 100% digitalisé. Vous le découvrez sur vos écrans avec l'application, vous pouvez télécharger cet UBB mag. Vous pouvez également le retrouver sur les réseaux sociaux. Vous y retrouverez des interviews, des actualités sur la rencontre avec des chiffres clés. Et il y a quelque chose qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, il y a le match UBB-Toulon qui va être très important. On va y revenir dans cette émission. Mais il y a un autre match dans le match. C'est Louis Carbonel face à Mathieu Jalibert. Votre analyse là-dessus, pourquoi cette question ? Parce que on sait que Romain Tamac s'est blessé. Sera pas forcément disponible pendant plusieurs semaines, voire mois. Mathieu Jalibert est en numéro 2 sur ce poste-là en équipe de France. Louis Carbonel est en numéro 3. Est-ce que la hiérarchie peut être bouleversée ? Est-ce que ça a joué sur l'état d'esprit des joueurs, vous pensez, Mathieu Jalibert ? Est-ce que vous avez pu échanger avec lui ? Moi, je n'ai pas échangé avec lui à ce sujet-là. Peut-être toi ? Je sais pas. Moi, je pense qu'il n'y pense pas trop, numéro 2, numéro 3. Lui, s'il y est pour les prochaines échéances en équipe de France, il se donnera au maximum pour pouvoir être titulaire. Mmh. Je pense que c'est... Je pense pas que dans la tête de Mathieu, je ne veux pas parler en son nom, mais il y voit un match dans le match. Et puis ce serait une erreur. Il vaut mieux se concentrer sur notre collectif que se dire ok, il faut que je sois meilleur que mon concurrent en direct. Donc voilà. Et le retour de Baptiste Serin, oui. qui revient ici, parce que Baptiste l'an dernier n'était pas revenu jouer à Chaban. Là, il y a une question que j'ai envie de vous poser. Le retour dans un Chaban à huis clos, quand on a quitté le club comme l'a quitté Baptiste il y a une saison et demie. Est-ce que vous avez échangé avec lui par texto ? Est-ce que vous l'avez croisé tout à l'heure peut-être au vestiaire ? L'état d'esprit, vous imaginez qu'il est dans quel état d'esprit là cet après-midi ? Je ne l'ai pas croisé, mais je pense dans sa tête qu'il est quand même content de revenir à Chaban, là où il a quand même grandi. Après, certes, il n'y aura pas de supporters. Mais je pense que pour lui, c'est un plaisir de revenir ici et il doit être très content de jouer sur cette pelouse. Je ne l'ai pas croisé non plus, mais j'imagine qu'il est content de revenir. Ouais.
La petite question par rapport justement au contexte, Baptiste Serin, pourquoi je fais le lien? Parce que Baptiste était un produit aussi de la formation bordelaise. Le lien est fait à Bordelot-Béglaise, j'ai envie de dire. La transition est faite avec toi, Jules. 22 ans, formé au club. Tu es un pur produit du club. Il y en a encore pas mal avec toi dans l'effectif de l'UBB, puisque Mathieu Jalibert en fait partie, Lamotte également. L'état d'esprit, quand on est formé au club, qu'on est dans ce groupe professionnel, on a envie de faire son trou, de percer, de continuer à gravir les échelons avec cette équipe? Bah oui, quand on est issu du club, on n'a qu'une envie, c'est de jouer avec l'équipe professionnelle. Donc on y a pensé déjà depuis petit et on a grandi ensemble tous les trois. Et donc maintenant on y est et le plus dur reste à faire, c'est-à-dire gagner des titres avec ce club. Gagner des titres et puis tu le disais, prendre sa place dans le groupe. Pour toi, c'est, on sent que cette saison, non pas que les autres n'ont pas été bonnes de ton côté, mais on sent que cette saison, c'est pour toi une forme de tremplin dans cette équipe. Tu es régulièrement convoqué dans le groupe, tu rentres régulièrement à plusieurs reprises puisque tu as joué 8 matchs, dont 2 en Champions Cup, 22 ans, 2 matchs en Champions Cup sur le groupe régulièrement. C'est une forme de satisfaction, mais il y a encore une envie d'aller plus loin. Pour moi, chaque saison est une opportunité de prouver, d'être de plus en plus sur le terrain. Donc voilà, Christophe me fait confiance. J'essaye de lui prouver qu'il peut me mettre sur le terrain. Mais ouais, je suis content. Je matche pas mal cette année, donc j'espère que ça va continuer. Alors justement, Cédric, un fidèle, nous pose une question sur cet élément-là, sur cette ambiance-là. La concurrence avec Maxime Lucu et Yann Lesgourgues, comment est-ce que tu te sens dans l'effectif? Comment est-ce que tu la vis au quotidien? La concurrence est forte parce que ce soit Maxime ou Yann, ce sont de très très bons neufs. Mais entre nous, il y a une très bonne ambiance. On s'entraide tous les jours à l'entraînement. Donc, pour moi, je suis bien avec eux et il n'y a pas de souci. Et alors, on a une autre question pour vous deux. C'est Benjamin Sanson qui nous dit qu'il va faire du bruit devant sa télévision cet après-midi. Il nous pose la question pour revenir un petit peu plus aux choses essentielles. Qu'est-ce que vous avez à Noël, messieurs? Marco. Moi, j'ai eu une chapka avec laquelle je suis venu. Je sais pas si elle est bien. Magnifique. Ben, d'ailleurs, si tu veux la garder pour l'émission en deuxième partie de rencontre, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. J'ai hésité à la garder, mais pas de problème, je la mettrai après alors. Et qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu quelques bricoles, je me souviens plus exactement. Parce que j'ai rien commandé, j'ai demandé plutôt d'avoir des cadeaux pour mon petit. Donc j'ai une chapka et j'ai eu aussi une petite balance pour peser les aliments. Ah très bien, très pratique ça. Ouais, on va voir, je ne vais pas sûr de m'en servir mais... Jules, même question. Bah, moi classique, j'ai eu des vêtements, j'ai eu des accessoires pour jouer aux jeux vidéo, voilà, des cadeaux pour mon chien. Puis voilà. Et une machine à café aussi, j'ai eu. Ah ouais, non, c'est important. Une bonne machine à café. Là, je suis content. Ouais, vraiment, je suis content. Alors, ça, tu peux également aussi l'emmener en émission, si tu veux. Oui, hein, j'y penserai pour la prochaine. Chapka machine à café, ça sera avec grand plaisir. Messieurs, ce que je vous propose, c'est de faire une courte parenthèse pour nos partenaires, comme on disait tout à l'heure, à qui l'on souhaite également le meilleur pour cette année 2021, qui on le souhaite, sera meilleur que 2020. On va leur faire un petit clin d'œil en diffusant quelques spots partenaires qui d'habitude sont diffusés dans l'enceinte de Chaban-Delmas. On va se retrouver dans une petite minute trente sur ce même plateau avec nos invités Jules Gimbert et Marco Tolène. Restez connectés, on se retrouve juste après ces petites pubs partenaires.
Ça y est, on est de nos retours sur notre plateau IBB Live TV. Chose promis, chose due. Voilà la chapka de Marco Tolène pour les fêtes de fin d'année. Elle est magnifique. Oui, je l'aime beaucoup. Elle tient chaud ou pas ? Elle tient chaud. Mais il faisait très froid ce matin, je me suis dit, il faut que je me couvre. Alors voilà, c'est promis. Enfin, c'était promis et c'est réalisé sur notre plateau. Donc merci Marco de tenir tes engagements. On a des questions de nos partenaires et de nos abonnés et supporters qui nous arrivent pour vous, avec beaucoup de questions sur la carrière et des ambitions un petit peu personnelles. Il y a une question sur le Brennus. Est-ce que vous préféreriez soulever le Brennus ou être appelé en sélection équipe de France ? C'est une question, c'est un dilemme intéressant. Marco ? Pour ma part, j'aimerais soulever le Brennus parce que bon, déjà, j'ai déjà des sélections. Je rigole. Mais parce que je trouve que ça représente justement la cohésion, l'effort collectif et le travail de pouvoir soulever le Brennus. Et c'est ce qui symbolise vraiment enfin, le rugby et le sport co, quoi. Donc pour moi, ce serait le Brennus. Jules, toi, on connaît ta carrière déjà en équipe de France, puisque tu as été champion du monde, vainqueur du tournoi des destinations avec les U20. La même question, si tu avais le choix d'être appelé, enfin le choix, si tu devais choisir en tout cas entre le Brennus et la sélection en équipe de France A, comment tu te positionnerais ? Moi, je vais répondre un peu comme Marco. J'ai toujours voulu gagner ce titre. En plus, mon père, lui, l'a gagné deux fois, donc il m'a raconté comment ça se passait. Donc, c'est un moment, je pense, qui peut être gravé à jamais dans une vie et avec tout un groupe et toute une équipe. Donc, je te répondrai ça. L'héritage, il est difficile à porter quand on s'appelle Jimbert et que le père a été champion. Non, heureusement, je ne joue pas le même poste que lui, surtout. Mais non, c'est pas... Il y a des débats quand même. Il doit y avoir des échanges un peu... On s'appelle tous les jours, donc on a des débats, oui. Surtout après les matchs, on discute souvent du match. Mais bon, j'ai toujours le dernier mot, donc ça va. Et une autre question intéressante également. On sait que vous allez jouer sur les deux tableaux cette saison. En tout cas, on l'espère, puisqu'il reste encore deux matchs pour se qualifier potentiellement sur ces quarts de finale, la grande Coupe d'Europe. Coupe d'Europe, championnat de France. Là aussi, il y a un dilemme. Vous pourrez jouer peut-être sur les deux tableaux au mois de février. Comment on se positionne là quand il se dessine devant nous un potentiel quart de finale de Champions Cup et des phases qualificatives pour les phases finales du Brennus ? Pour ma part, je resterai sur le Brennus également parce que la compétition, c'est celle pour laquelle chaque saison on se prépare réellement. C'est vrai que la Coupe d'Europe, c'est un vrai bonus. Que ce soit le Challenge ou la Champions Cup, parce que voilà, c'est vraiment une chance de pouvoir affronter des équipes, des grosses équipes d'Europe. Mais c'est vrai que voilà, quand on rêve de passer pro, disons que moi j'ai plus d'attache au top 14 et au Brennus que de penser à la Coupe d'Europe. Et puis voilà, comme je disais tout à l'heure, la compétition est très dure et longue. Il y a beaucoup de sueur. Je me positionnerai plutôt sur le Brennus. Jules, même question. Moi pareil, mais après les deux compétitions sont magnifiques, que ce soit le top 14 ou cette Champions Cup. Donc on a choisi de jouer les deux à fond. Donc si on peut gagner les deux, moi ça m'arrange. Alors justement, les deux compétitions aujourd'hui sont marquées quand même par un Covid très présent. Pourquoi je fais cette parenthèse ? Parce que cette journée, normalement, marque la fin des matchs allés. 12 ou 13 journées effectuées pour certains et d'autres clubs ne sont qu'à 9 matchs joués. C'est le cas notamment de Montpellier qui va recevoir le Stade Toulousain. La journée, on va la découvrir en images. Montpellier qui reçoit Toulouse. Montpellier dans le dur, 12e, 3 matchs de retard, reçoit le Stade Toulousain, second, victorieux la semaine dernière avec le bonus. Votre analyse de cette rencontre ? Ouais, déjà, je pense que le classement, il ne faut pas vraiment le regarder parce que, comme tu l'as dit, Montpellier a déjà des matchs de retard par rapport à d'autres équipes. Mais en ayant affronté deux équipes, on sait que ça va être un match à haut niveau, quoi. Montpellier, très grosse équipe, très costaud, et le Stade Toulousain qui est une équipe très joueuse. On peut s'attendre à un match de très haut niveau. Pareil, même analyse sur cette rencontre, Jules. Pareil, ce sont deux très grosses écuries, donc on peut s'attendre qu'à un beau match. Puis je pense que Montpellier souhaite gagner à domicile, donc
je pense que ça va être un gros match. Et puis, il y a d'autres rencontres qui vont être qualifiées un petit peu de cruciales dans cette journée de top 14. 13e journée, Agen, Lanterne Rouge, pas une victoire, reçoit La Rochelle, solide leader de ce top 14. Agen, c'est compliqué. La Rochelle, ça surfe sur le top 14, ça fait penser à l'UBB l'an dernier. Comment est-ce qu'on est dans la tête des Agenais aujourd'hui et des Rochelais qui se déplacent? Je ne sais pas vraiment, mais c'est certain que pour La Rochelle qui est premier au classement, avec pas mal d'avance et notamment encore plus sur Agen, j'imagine qu'on se déplace l'esprit libre. Après, voilà, j'estime que maintenant, top 14, il n'y a plus de match facile. Donc pour moi, ce n'est pas parce que La Rochelle est premier et Agen dernier que La Rochelle va l'emporter. Et puis il faut noter que La Rochelle ne s'est plus imposée à l'extérieur depuis deux journées. Donc le déplacement à Agen, ça peut être une relance aussi pour le club des Agenais. Oui, ils vont avoir à cœur de toute façon de faire un gros match à Agen, ils le savent. S'ils veulent rester premiers, il va falloir gagner tous les matchs. Donc je pense qu'ils y vont pour marquer des points là-bas. Des rencontres également qui peuvent faire passer dans le top 6 ou au contraire redescendre, c'est le Stade français qui reçoit Brive. Là aussi, très indécis comme match. Oui, bon, Stade français aussi solide à domicile, mais on connaît aussi l'orgueil des brivistes. Donc oui, je pense que cette journée, avec tous les matchs présents, ça risque d'être une belle journée de rugby, quoi. Pareil, on commence par l'UBB. Exactement, mais un match qui peut ressembler un peu au match de l'UBB face à Toulon, c'est Clermont qui reçoit et qui reçoit le Racing. Troisième, septième pour Clermont, troisième pour Toulon, pour le Racing, pardon. Ouais. On peut faire le lien avec l'UBB, justement, huitième avant ce match qui reçoit le quatrième. C'est un contexte qui ressemble un petit peu entre Clermont et l'UBB et le Racing et Toulon. Oui, ben, Clermont Racing, c'est une très belle affiche. Donc, on sait, les Clermontois sont très solides. Le Racing aussi, à l'extérieur cette année, il tourne bien. Donc, ça va être un gros match. Oui, on sent que les Racingmen sont plutôt sereins sur leur saison, quoi. Et Clermont, ils ont fait une frayeur. On a perdu à domicile il y a deux semaines, là, en Coupe d'Europe. Ouais. Donc, ça va être une belle journée, là. Une dernière rencontre pardon, qui aura lieu cet après-midi, c'est Lyon face à Castres. Lyon qui est solidement installé dans ce top 6, justement, qui reçoit Castres en difficulté. Là aussi, ça peut être dangereux pour les Lyonnais, même si à domicile, il y a une solidité de la part de l'équipe du Loup. Oui, encore une fois, même si Castres est en bas de tableau, je pense pas qu'ils y vont pour tronquer le match. Il y aura une performance. Je pense qu'ils auront à cœur justement de voilà aller chercher des points parce que en top 14 maintenant, si on laisse des points en route, c'est difficile comptablement à la fin du championnat. Donc voilà, moi je pense que là, sur toutes les affiches que tu m'as données, il risque d'avoir pas mal de combats. Puis il n'y a pas de pronostic finalement. Ouais, c'est difficile de. Compliqué de donner. Ouais, là, c'est vrai que c'est difficile de se mouiller. Et une rencontre touchée par le Covid, c'est l'Aviron Bayonnais qui devait recevoir dans une forme de derby la section paloise. Match reporté, centre d'entraînement fermé pour l'Aviron Bayonnais. Ça prouve qu'il y a encore des difficultés à mettre en route ce top 14 tous les week-ends. Ah ben oui, on le sait, le Covid est toujours là, donc les équipes, tous les joueurs sont testés toutes les semaines, donc la moindre alerte fait que le match est annulé. Exactement, ça va être une journée compliquée à pronostiquer, compliquée à suivre les différentes rencontres et de pouvoir se positionner sur des éventuels résultats. Ce que je vous propose, messieurs, c'est qu'on est à peu près à 20 minutes du coup d'envoi. On voit les joueurs qui sont à l'échauffement sur la pelouse. Je vous propose une nouvelle fois de rendre un petit hommage à nos partenaires qui ne sont malheureusement pas au stade Chavandelmas cet après-midi, que l'on salue une nouvelle fois. On se retrouve dans une petite minute 30 sur ce plateau pour d'autres questions qui viennent d'arriver de la part de nos supporters et bénévoles et abonnés et partenaires via les liens du direct. Donc n'hésitez pas, continuez à poser vos questions. On se retrouve dans quelques minutes.
Voilà, on est de retour sur l'UBB Live TV. Alors, je faisais non de la tête parce que Marco vient de me poser la question s'il enlevait Chapka. Non. Alors, surtout qu'on était en direct, on discutait avec Jules. Et en discutant, on a une question, une observation de nos abonnés et de nos supporters qui vient d'arriver. C'est un petit clin d'œil pour la Chapka. Une petite danse Kazachok pour Marco, qui est une danse russe. Est-ce que tu es capable de nous faire ça en direct? Je sais pas à quoi ça ressemble, mais. je pourrais pas la faire. Pour permettre un petit peu de répéter, parce qu'il y a une autre question que je vais vous poser, juste après le petit clip de l'UBB Store, parce que l'UBB Store, c'est la boutique officielle de l'Union Bordeaux-Bègles, que vous pouvez retrouver Promenade Sainte-Catherine, également en ligne sur le site www.ubbrugby.com. Donc, on regarde le clip de la boutique et on se retrouve juste après pour une offre du match assez intéressante pour les supporters de l'UBB. L'UBB Store donc, qui vous propose une offre du match exceptionnelle. Alors, pas de Chapka pour l'offre du match cette année, même si je sens, messieurs, s'ils nous écoutent, la com, le marketing à l'UBB. On tient quelque chose là, parce que la Chapka fait sensation. On a beaucoup de messages pour cette Chapka. Donc, la Chapka de l'UBB, ça, on peut tenir quelque chose, je pense. Jules, en tout cas, tu approuves. Hein. Ouais, moi, j'approuve. D'ailleurs, j'ai demandé à Marco. Je pense que je vais en avoir une pour le prochain Noël. Alors, l'offre du match, messieurs, c'est une offre pour rester proche des supporters, puisque à l'occasion de cette rencontre, on donne la possibilité aux joueurs d'acheter le nouveau maillot de l'UBB pour cette saison 2020-2021 et de le faire dédicacer par le joueur favori de son effectif. Donc, n'hésitez pas, vous remplissez un petit papier une fois que vous avez acheté votre maillot et le joueur sélectionné vous signera le maillot et vous le recevrez chez vous, donc signé de la main de votre joueur préféré. Donc n'hésitez pas, c'est l'offre de l'UBB Store à l'occasion de cette rencontre. Messieurs, je vous ai parlé de questions et de réactions qui arrivaient sur notre plateau. Avec cette magnifique Chapka, on a une demande d'un supporter qui nous demande de faire une petite imitation. De votre coach, manager, Christophe Furios. Est-ce que vous êtes balèze pour ça? Personnellement, je ne sais pas très bien le faire. Je sais que Jules... Moi, je ne sais pas le faire. Le mec Non, moi, je ne sais pas le faire. Je ne peux pas... Je le tiens bien. Alors, messieurs, je vous laisse le temps de préparer ça et de réviser. Parce que pour l'après-match, peut-être, on verra selon le contexte. Le sport, ce qui serait bien, c'est que Christophe vienne en après-match, un soir de victoire, nous faire son analyse. Son imitation. Mais je te laisse lui demander par contre. Ah ok, c'est cool. Alors non, un peu plus sérieux, quoique, la Moga Turbo, on en est où? Qui a la Moga Turbo en ce moment Actuellement, c'est Pablo Huberti qui l'a cette semaine et je crois qu'il l'aura aussi la semaine prochaine parce qu'il est tombé deux fois dessus. On rappelle la Moga Turbo, tu l'as déjà eu toi Jules, la Moga Turbo? Non, moi je ne l'ai pas eu mais j'aimerais bien l'avoir. Le principe de la Moga Turbo, tu peux rappeler pour nos abonnés et nos supporters partenaires de l'UBB Le principe de la Moga Turbo, c'est une voiture à la base qui est normale. Et chaque joueur qui l'a toute une semaine, à la fin, il doit mettre un petit design dessus. Donc ça passe de l'intérieur de la voiture comme à l'extérieur. Donc là, franchement, depuis l'année dernière, elle est vraiment bien équipée. Et toi, Marco, tu l'as eu, toi? Je l'ai eu peut-être en deux ou troisième. Ouais, je l'ai eu. Qu'est-ce que j'ai rajouté, moi? J'ai rajouté le klaxon, la cucaracha. Il est magique. Alors, je te coupe, mais pour que les supporters visualisent bien ce qu'est la Moga Turbo, il y a même un compte Instagram officiel à retrouver donc sur Instagram, Instagram. Moga Turbo UBB, c'est fabuleux. Pour aller un petit peu retourner sur le sportif, la question que l'on a de Cédric, pour toi Jules, c'est par rapport au rugby à 7, avec tes qualités de vitesse
et de finisseur. Est-ce que tu n'as pas cet objectif de rugby à 7, notamment avec les JO 2024 ? Ben, tu y penses ? Une compétition comme ça, si, au fond de la tête, si jamais j'ai l'opportunité de le faire, ça sera avec grand plaisir. Ouais. Parce qu'on sait que les JO, c'est pas tous les ans. Donc je pense que si jamais j'ai l'opportunité et que je peux y aller, pourquoi pas. Bah en tout cas, c'est tout ce que l'on te souhaite. Alors, on va rappeler également à nos supporters que le principe de cette émission, c'est de faire vivre comme si nous étions à Chavandelmas. Alors, le public ne sera pas là, les supporters, les abonnés, les partenaires non plus. Mais l'ambiance de cette UBB Live TV, c'est de redonner un petit peu le sourire aux supporters derrière leur écran, de leur faire un petit peu penser à ce que c'était Chaban quand on était tous là. Notamment, pour nous, l'important, c'est de rappeler qu'il y a l'application du club que vous avez bien évidemment sur vos smartphones, messieurs, l'appli officielle pour pouvoir élire l'homme du match. On en parlait en off tout à l'heure, l'élection du meilleur joueur de l'UBB chaque rencontre, ça se fait avec Cybertech. Vous avez déjà pronostiqué un petit peu entre vous ou pas sur les hommes du match? Ça vous est arrivé? Non, jamais. Pronostiqué, mais... Pour vous-même, non? Non, non. Le côté aussi pronostic de la rencontre, c'est Betclic qui propose ça. Un pronostic sur cette rencontre, c'est difficile aujourd'hui de pronostiquer le score de la rencontre. C'est difficile parce que voilà, Toulon sort de venir avec l'armée, nous on sort d'une défaite à Toulouse. Je pense qu'on va gagner. Ça va pas être facile. Je peux pas te dire de score, mais je pense qu'on va gagner, mais difficilement. Jules, moi je peux te donner le score. je l'ai vu. je l'ai vu. Ben, on sait Toulon, comme l'a dit Marco, ils sont en confiance, ils ont une grosse équipe. Ils viennent aujourd'hui avec une grosse équipe. Nous, on a à cœur de se racheter du week-end dernier, donc je pense qu'aujourd'hui on va faire un très gros match. Et comme score, je dirais 33-17 pour nous. 33-10. 33-17. 17. Donc match victorieux pour l'UBB, en tout cas des deux côtés. C'est ce qu'on souhaite. On débriefera un petit peu de tout ça en après-match, puisqu'on se retrouvera tous les trois en après-match pour, on l'espère, analyser cette belle victoire de l'UBB. On va également rendre un petit clin d'œil, rendre hommage à nos abonnés. La semaine dernière, vous avez porté un maillot spécial face au Stade Toulousain. C'est le maillot qui se trouve juste derrière moi, qui n'est pas en vente, qui a été fait spécialement pour la rencontre de la semaine dernière avec l'ensemble des noms des abonnés. J'imagine que c'est important de garder le lien avec les abonnés au quotidien sur les réseaux sociaux. Je sais que vous faites beaucoup de stories, vous communiquez beaucoup avec eux via le digital. C'est au-delà du manque des tribunes, c'est important de garder le lien avec eux. Ben oui, ça fait aussi partie du projet. C'était de garder un lien avec nos supporters. Et c'est vrai que c'était pas facile de se l'imaginer cette année avec le virus. Mais on essaye, et la com d'ailleurs sont bien débrouillés avec ça par rapport au maillot. Et voilà, c'est un peu une manière de garder ce lien avec nos supporters qui nous manque, voilà. Et pour leur montrer aussi que même s'ils ne sont pas dans le stade, on pense à eux avec tous leurs noms sur le maillot. Alors, vous savez, j'ai une petite oreillette, hein, comme à la Jean-Luc Delarue, on me donne les infos en direct. Les joueurs seraient au paddock, on entend les crampons. C'est la dernière ligne droite, dans quelques instants ils vont se retrouver au vestiaire sur un match, un moment capital. On entend tout à l'heure Christophe Furios qui parlait de, non pas de match capital parce qu'il y a de la marge encore dans ce top 14 qui est très long et très dense, mais quand même d'étapes importantes pour basculer du bon côté. Qu'est-ce qui va se dire dans le vestiaire à ce moment-là, juste avant de sortir pour le combat? J'imagine qu'il va falloir respecter ce qui a été fait la semaine d'entraînement, voilà, donner beaucoup de cœur, surtout être agressif, enfin, dans les zones de combat, quoi. Agressif dans le bon sens évidemment, parce que voilà, Toulon c'est une équipe qui est solide, ça va être un match dur. Et c'est vrai qu'une victoire aujourd'hui nous ferait du bien pour repartir la semaine prochaine un peu plus sereinement et repartir contre un gros adversaire d'ailleurs qui sera Lyon. Voilà, faire le plein de confiance. Et... Justement, le mot, pareil, sur les arrières, dans le vestiaire, la sortie du vestiaire, comment ça se passe? Je pense que le mot, ça sera tout d'abord se faire plaisir. Voilà, faire un très gros match complet et de ramener la victoire.
Alors messieurs, on va découvrir ensemble la composition de notre équipe cet après-midi. Les supporters et les abonnés, partenaires, bénévoles vont pouvoir suivre cette composition en direct avec nous, comme si on était à Chavandelmas. La composition alignée par Christophe Lérus, numéro 1, le pilier, Thierry Paiva, accompagné du numéro 2, Clément Ménadier, numéro 3, Vadim Kobilas. La seconde ligne, numéro 4, Kane Douglas, numéro 5, Yandré Maré. On découvre également les troisièmes lignes, numéro 6, Cameron Ouki, numéro 7, capitaine cet après-midi, Mamadou Diaby, et numéro 8, Alexandre Roumat. La charnière, demi-mêlée, numéro 9, Maxime Lucu, numéro 10, Mathieu Jalibert. On a fait cette analyse du match. Numéro 11 sur les ailes, Ben Lam. Au centre, numéro 12, Rémi Lamra. Numéro 13, Jean-Baptiste Dubier. On aura également le numéro 14, Santiago Cordero, qui a prolongé, on l'avait déjà annoncé sur la dernière émission. Et le numéro 15, ligne arrière, Romain Burros. Le banc, cet après-midi, numéro 16, Maxime Lamotte. On en parlait tout à l'heure avec toi, Jules. Numéro 17, Lexo Kolachvili. Numéro 18, Alexandre Flancard. Numéro 19, Afa Amoussa. Numéro 20, Yann Lesgourg. Ben Botica en 21, Pablo Huberti en 22 et Lacha Tabidze en 23. C'est une équipe complète encore avec un banc de qualité. On a senti que Christophe Lérus faisait tourner régulièrement sur les compositions et les créations de son groupe pour affronter les matchs. Qu'est-ce qu'on peut espérer comme entame de match, comme première mi-temps, comme scénario idéal pour l'UBB cet après-midi, messieurs? J'espère qu'on va attaquer fort le match. Moi, ça donnera le tempo de la rencontre. Et surtout, ce qu'il faudra mettre l'accent, c'est surtout nos attaques de deuxième mi-temps qui sont plutôt bancales. Si on arrive à revenir du vestiaire au même niveau qu'on connaît, ça sera que bénéfique pour nous. Jules, même analyse. Pareil pour moi, une grosse entame avec plein de convictions et d'envie. Et comme l'a dit Marco, une seconde mi-temps qu'il faut qu'elle soit pleine et notamment le banc qui doit apporter. On fera cette analyse en fin de match puisqu'on se reverra en après-match tous les trois. Oui. Le match est à suivre sur les antennes de Canal+. Coup d'envoi dans moins de 5 minutes. Restez avec nous pour l'après-match. On vous souhaite une bonne rencontre face au RC Toulon. On espère qu'on va vibrer. Messieurs, on se donne rendez-vous tout à l'heure. Merci pour votre participation et puis bon match. Bon match. À tout à l'heure.